Va t'aller. Bon, Josier, sur le canal. Ah, bon, après, non. Le pot. Ok, Josier, on va à l'école. Ok. Comment? Va objectif conférence pour la presse, que le syndicat baille une routine, c'est pour nous, tout d'abord, informer le public là, dans qui niveau démarche pour nous arriver à choisir la transparence. Donc, vous êtes valable, c'est que ce cas-là, qui est un peu qui pourrait nous et qui s'est fait, et surtout, bail au compte rendu, donc un compte spécial qui est gagné entre ces cas-là, avec les membres dans le conseil présidentiel là, et le conseil Fujian, côté nous expliqué après deux lettres que nous avons eu, qui ça qui est passé là, et que qui ça me fait pour relever cette situation là, et permettre que dans tout secteur, nous arrivions à choisir des délégués de la transparence par les conseils de consultation, parce que sans remarquer, dans plus secteur, nous faisons faire coquer, j'en fais le syndical là, et que nous mettons dans pile et contestation par rapport à Magouille qui fait qui est le décès. Parce que nous te dit, pas qu'à gagner, tu as dit, c'est quoi d'ailleurs qui méritait que de analyser et résoudre cette situation. Hein? Nous avons un camarade nous, qui parle nous en détail ce qui est passé dans le plan, comment la carte se déroule, qui s'est sorti comme résolution dans la rencontre là. Deuxième point, nous avons gagné pour nous garder l'évolution nous sous scandale, corruption, qui a fait que bon politique et bon des affaires à tout, pour garder qui s'est derrière. Et ce que c'est d'ailleurs, qui enquête qu'il veut faire pour l'IDF d'Aï, pour que tout le monde ait clair ce qui a passé là, et le KBN, c'est là en particulier, c'est faire en sorte que nous arrivions, il y a une qui fait, pour regarder est-ce que cette tractation qui a fait par Oligarque à travers le président BNCA, ou bien est-ce que trois mousses dans ce PTA, tu es véritablement réuni dans la gouille, auquel cas, il faut qu'elle fait et pour les supprimer. Dans tous les cas, il faut qu'elle fait et Kamado appelle parlez-nous de position sur tout ça. Quatrième point, c'est pour Foucault Dieu, sur les affaires de l'année qui s'est déroulée, comment s'est déroulé, et qui est-ce qui va me gagner, et qui va comment nous pour permettre que non examen qui va faire là-haut. Par exemple, ça a qui posait une imposition, comme a dit Nima, que tout le monde connaît, c'est un camarade qui n'a pas mis longtemps, et nous avons attaché Richemont, ancien commissaire du gouvernement, qui fait bruit courir sur lui, que il a un gang qui était là, et qui laguait en série de persécutions politiques contre lui, il a demandé que pour persécution suspendre, et pour arrêter tout coupable dans ce là. Sous le premier point, qui est à la question ce qui a passé, comment dirigeant et syndicaliaux dans le niveau CSH et dans le niveau Cochaco, qui fait des bagouilles, qui fait que je le dis, hein, et qui est une prestation, et qui fait que je le dis, hein, nous avons écrit une lettre à ce métier pour vous dire. Et que par reconnaître et moun choisit ça en dehors de Prestibio, en dehors de Super Prestibio. Donc nous gagnons un camarade nous qui Esther qui parle de nous qui s'est fait en gros dans des marchés côté mouillé et je lui dis qui s'est pas fait pour régler cette situation et bien que dans tout secteur nous avons des choix qui fait qui répondent à tout le monde. Camarade. Okay.
dernier point de presse que nous t'ai balé, nous t'ai dit que pour démarche nous pas traiter sans suite et que dans la rapidité nous pas vraiment rester sans suite. C'est pourquoi nous t'ai gagné une rencontre avec un conseiller, OK? C'est monsieur Fritz Jean qui t'a accordé nous une rencontre dans la cordialité, franchement, et suite à deux lettres que nous t'ai écrit c'est payant. Normalement la lettre nous t'ai parlé de pour y rebattre quatre là parce que soit ça que instance qui t'a envoyé un représentant t'a fait pas aller dans sens pour tout bagarre fait dans la clairvoyance pour fait dans la transparence bien sûr. Donc nous t'ai demandé à ce que pour quatre là rebattre ce que conseiller Fritz Jean t'a accepté et qu'il dit la pratique avec l'autre membre dans ces pays, histoire que pour le rebattre. Aussi, nous t'ai parlé de ça tout au côté que pour remettre que la montée, il y a une instance après que le fil rebattre pour tout le bagage est tombé plat et que après le fil, tout le bagage est chita et que il va monter, il y a une instance indépendante, ok? Une instance indépendante qui pour là pour contrôler respect précis qui établit pour que nous ça peut pouvoir choisir pour capable respecter normes pour capable respecter ça que demandé critères que et défini à l'avance pour que nous va voir nous ça qui c'est représentant dans CEP très prochaine. Donc c'est ensemble des choses ça nous sommes vraiment contents. Et que nous, notre pays a son bonne voie, côté que il y a tant d'ensemble de syndicats, ça permet que nous sentions que voie nous braler, on a privé au bon port. Nous sommes vraiment satisfaits de rencontrer ça avec le conseiller Fritz Jean. Tant de suite. Et on attend de suite, c'est très important. Sous, on passe par ce pays. Non, pas M. Esther Eloi. Qui c'est Nicolas? Moi, je fais partie de RNSTVH, Association Nationale Syndicale des Transporteurs Visionnaires d'Haïti, ANSTVH. Petit nom encore? Esther Eloi, on fait partie de syndicat ANSTVH, qui c'est Association Nationale Syndicale des Transporteurs Visionnaires d'Haïti. Qui fonctionne? Moi, c'est vice-présidente association ça. Ok? Rapidement, on a fait et suite à camarade nous qui pourra rapidement dans notre troisième point dans le rapport ci là. Bonjour. Et nous-mêmes syndicalistes, les scandales corruption préoccupent nous en plus. Surtout les scandales BMC qui a circulé partout dans le pays à Nanjoussaï. Ça nous t'a même connaître. Qui ça qui des scandales si là? Nous ne pouvons pas connaître. Est-ce que cette tractation président BNC a fait pour le rété? Nous ne pouvons pas connaître. Troisièmement, est-ce que monde CPT est impliqué vraiment dans le scandale corruption ça? Quatrièmement, est-ce que ce n'est pas tractation pour arriver à privatiser BNC? Jean-FMI t'a toujours demandé ça. Cinquièmement, est-ce que ça n'a pas inscrit tout dans la logique pour diaboliser CPTA pour profiter de Premier ministre Gary Conille? Ça nous t'a remis connaître si cette tractation président BNC a fait trois membres CPTO. Premièrement, faut bon gens enquête faite pour limier Blahi. Et si trois membres CPTO vraiment t'a impliqué vrai après enquête là, yo doit démissionner jugé pour corruption. Nous même tout, nous pas doit diaboliser tout membre CPTA. Faut peuple la calé chez yo. Pour limier fait sous dossier corruption, surtout dossier BNC, n'a demandé faut que pas diaboliser tout membre CPT. Et si c'est pas ta vrai, vraiment CPT ça ou pas ta impliqué dans ce qui a passé dans le pays, faut la justice fait, faut président BNC a bail côté joindre dossier ça côté que li impliqué tous les trois membres CPT. Merci. Non pas c'est Pierre Louis Marie Bellec, moi c'est trésorier dans syndicat pour la défense des employés de l'OAVCB. On va demander rapidement étape que la cap on a suivre dans quatre étapes pour nous arriver à choix chita vous parlez.
Ça passe, on va passer deux, je m'amuse pas ça. Syndical qui répond à critères pour le présenter, pour le présenter le monde syndical provisoire. Nous avons dit que avant de faire quelques remarques, première remarque à faire, nous voyons que après que Cochinco avec CSH t'es tombé dans le voyage avec coquin côté ils ont été choisis aussi le syndicat qui a dévoilé je fait là, dès l'avance, décidé pour écarter. Maintenant, il y a une vie mal pour nous, parce que vous avez imaginé que vous avez fait coquin, puis tout va passer l'huile. Vous voyez, il y a un syndicat qui chita sous terrain, qui gagne une expérience sous terrain, qui a un poste terrain, qui maintenant gagne 4 là, côté de demander. Pour vécu ces PTA, ils ont exigé que Qatar batte pour que de la transparence soit sa fête. Maintenant, comme étant donné que il a viré pour nous, ça a été pensé à c'est pas sa fête, il faut se poser des questions. Qui ça qui fait? Nous voyons que il y a un certain du club de l'histoire qui a bouté la veste, il a dit parti. Parce que ça a été planifié par le fait. Lui a déraillé, là, il a menti, il a fait comment jouer nous-mêmes, dans ce syndicat, nous ne pouvons pas rentrer dans l'eau, nous ne pouvons pas descendre à joindre, dit que le soir, quand il est là dans la boue, quand il est là, il a monté le bureau. Nous, pape, a dit, c'est bien tout pour nous quitter, ma vie qui fait là, passer. Premier, nous avons souligné quelques mensonges qui baillent. Et monsieur a dit que l'était invité nous, c'est à la dernière minute, nous retirons nous. Maintenant, la presse, c'est moi, monsieur,
Comment les vitrines? Est-ce que c'est un téléphone derrière nous? Est-ce qu'on l'a dévoyé? Et qui connaît ça, c'est dévoyé? N'a pas dit pour la vérité, les premières lettres sont sorties, les premières lettres et 15 lettres sont sorties, côté nous alerté et conseil présidentiel là, sous le coquet que Kochakou avec cette affaire, nous demandons pour le tester en vigilance pour empêcher que les ça fait, le coquet c'est là. Les lettres sont sorties, qui ont sauté, ils ont couru, dit que nous voulons l'être. N'a pas dit nous, guédé nègre. Qui a fait couverture de presse en dedans localino, mais en dedans localino, tout d'un coup, il y a la musique, il y a oublié localino, il y a dit que c'est notre localiale, il y a déposé une lettre là, il y a un bureau. Parce que même l'extérieur, pour la faire rencontre en dedans bureau, couverture de presse en dedans bureau, il y a ma boule virée dans l'autre, il y a oublié localino, il y a dit que c'est de l'autre côté. Malgré tout, il y a eu délégué. Donc, camarade Garité là, les nous arrivés, c'est pas un coup pour nous chita définir rien de jouet là, c'est un coup pour nous à cautionner jouet ma bouille qui est fait là, et c'est une élection. Comment comprendre des syndicats comme syndicats hymnos, comme syndicats transporteurs, comme syndicats ministères, pour des nègres pour dire que le ministre pensait que le café est dit opération ma bouille, et puis pour nous cautionner. Donc, là, nous devons ça, nous deviner. Parce que nous devons que ce travail qui est tout cuit, le travail mettez nous en position pour nous, considérer pour nous. Et nous devons nous dire que, ben ça, nous pas d'accord, il faut que nous allons battre. Là, dit que le ministre a dit que nous devons impliquer, c'est dans la dernière phase de nos outils, c'est menti, Mandel, qui l'a impliqué nous, ouais, et qui, par qui ça a impliqué nous. C'est pas là que je dis, là, c'est pas là, il dit que, nous dit que monsieur qui a choisi, hein, que nous ne connaissons pas, nous dit que c'est porte-parole et Guy Philippe avec Jean-Tel. Nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas comme ça. Il n'y a pas de qui déclaration, que ça a été écrit, donc il va mentir sur nous. Deuxième chose encore, monsieur fait, monsieur a dit que c'est le ministère, nous avons tout à dénoncé dans le ministère, qui a fait que population connaît comme ministère dans les magouilles dans les affaires de bagaille pour banquer comme l'État, il va exister. C'est le cas transporteur qui nous est là avec nous, va exister. C'est le cas huissier qui nous tout connaît là, qui a fait gros mouvement dans le pays, à tout le pays, va exister. C'est le cas enseignant, c'est fait de l'autre côté, va exister. Il ne va pas exister comme tel. Donc il dit sur ce de c'est des cas comme quel traité de même ramassis, ça va être terrible. Ouais, comment briquer ça, etc. Donc, nous pensons que c'est technique parti, et que nous disons, nous avons continué la démarche pour nous joindre, la dite, et choix d'une délégué syndicale dans la transparence avec participation de tout syndicat. Contrairement à nous-mêmes, nous avons l'aspect général qui a été fait, nous avons invité nous à l'aspect général. Parce que nous ne sommes pas coquins, nous ne sommes pas exclusion. Jean, lui-même, il le fait là. Et le sens, c'est que Nabdi, tout le monde en général, et il y a un choix que vous faites là. Et Nabdi, dans le cadre des machos, nous devons faire l'Assemblée générale samedi, dans le dernier 2023, côté nous avons une commission qui est pour recenser tout syndicat qui a besoin, qui dispose de la commission pour choisir un monde qui est valable, pour nous. L'idée pour recevoir, il commence à recevoir dossier de candidature, diverses personnalités dans votre syndicat là qui aspiraient à venir membre et conseil électoral là. Et comme il soit bien pour choisir, parmi tout ensemble de dossiers qui baillent, trois dossiers qui piquent boyo, et ça, c'est trois dossiers ça, on a fait trois mondes qui doivent le faire à représenter nous en dans conseil électoral là. N'a pas dit tout le monde que je nous dis, hein, après la compte avec le conseiller Fridjian, côté ça va dire dans la dernière lettre là, je dis un, faut de combat, question et sécurité, pour le travail d'élection. Deux, faut ça va être comme pays que vous faites élection. Trois, faut que évaluer ça que fait dans tout secteur. Tout pour regarder toute la boutique qui fait, tout
toute cette fête compensation qui fondait pour le reconsidérer le cas de débat, de sorte que pour que nous tirions le son de ce passé-là pour renoncer au processus-là avec des organisations crédibles et avec supervision d'une instance qui fait la vérité sur été crédible, qui pour fouler, j'ai regardé comment chaque secteur a fait le processus de choix-là pour que les choix du secteur pour faire. Et pour coordonner, il va pas faire parler, Jean. C'est un centre de prestation qui a fait dans tout secteur et pour mettre instance à camper pour que nous partions dans l'idée de la grise à eux, pour que dans un temps record, ils ont évalué. Ils ont réglé cette situation hein, et ils ont une disposition pour que redémarrer le processus pour arriver à des choix de monde qui valable, qui respecte les critères dans tout secteur et pour arriver à un conseil électoral finalement et crédible qui a réalisé des véritables élections pour arriver à changer la vie personnelle politique de notre pays et ben nous, des parlementaires, présidents et tout l'autre élu encore qui censé capable de venir aider à sortir de l'idée là. Dans ce sens, nous disons que nous-mêmes, nous avons un travail patriotique là. Ce n'est pas seulement nous avons demandé fort d'aller conseiller, tout conseiller choisi de la transparence, fort tout gagner condition pour l'élection faite, fort CPA tout d'aller très vigilant pour ne pas quitter aucun magouille, que ce soit secteur, et induire en erreur et d'aller accepter des choix inacceptable qui déjà pour le discrédit sous prochain conseil. D'ailleurs, il dit il y a besoin que le peuple reprenne confiance dans le processus là, de prendre conscience pour le voir que depuis notre choix de délégué, il a fait correctement et ça capable d'a dit autorisé, d'a dit quoi un don, on va être comme ça. Donc, il y a gagné d'a dit pour le voir, on dit là, pour que vous surveillez à ce que tout le monde ait fait correctement, choix fait correctement. Dans tout secteur, pour que le cabinet conseille, nous avons besoin qu'il permette de nous faire des élections crédibles et nous bataille tout, conditions réunies pour élections qu'on a bien fait. C'est ça, que nous disons que nous avons continué avec concertation dans tout secteur. Commission qui est choisie pour recueillir et dossier à travail et l'aide à faire et choix ça, la responsabilité et conseil présidentiel là, avec vos intérêts là, qui pour fournir les gardes pour ça fait, sauf que. Pour ne pas gagner, ça gagne la compensation parce que nous avons décidé d'entrer dans aucune bagaille qui n'est pas correct, qui va droit pour que nous puissions les mêmes sommes avec Ochako et CSA qui fait magouille et bagaille la coquille à gauche. Ok. On a suivi. Fritz Alphonse Jean, vous mettez le mandat d'amener derrière Jean-Bertrand Aristide qui mandat ça qui empêche Aristide qui te paye, ou vous allez aller pour Aristide à Kiba, ou vous allez un passeport humanitaire en façon pour la pression Kiba parce qu'elle a une interdiction de départ. Voilà que j'ai moun ça, malgré le risque nous prenons, malgré la menace de mort, nous dénoncer moun ça, la société. Toutes vos plateformes télévision, c'est nek ça a invité. Une chita, pourquoi? Nous-mêmes, nous avons accès à la plateforme ça, la plateforme média ça. Institution, il y avait vidéo, il y a fait une plateforme politique, ils mettent ensemble, les célèbres, c'est une célèbre. Les corrompus, c'est une célèbre en Haïti. Eh bien, ils sont tellement célèbres qu'ils ont mis au président, ils ont fait président conseil des crédits, ils ont mis au président de la République. Pendant dénonciation, pendant mandat, pendant juge la roublée, ça a voulu quitter le pays. Deuxièmement, si la bataille contre la corruption, mande pays à côté, juge à ça c'est SPJ. Mande CSPJ. Qui ça CSPJ fait avec juge Altimé dimanche? Qui mette mandat d'amener contre. Puisque société a brûlé corruption. Juge la reconnaît. Ce n'est pas un excité soleil, ce n'est pas un cafou fait, ce n'est pas un même média en ligne journaliste qui est dans l'État qui fait corruption. Si quelqu'un qui fait corruption, il faut que nous ayons une qualité pour le cas d'une instruction pour faire corruption pour lui. Le juge l'a estimé. Si quelqu'un corruption, il faut que c'est le premier ministre, il faut que c'est le ministre, il faut que c'est le sénateur, il faut que c'est le député, il faut que c'est lui qui a corruption. Parce que c'est lui qui charge le pays. Et tout le pays, aucun pays ne peut traiter avec nous. Peut-être Haïti, ce pays, il y a d'autres qui n'ont
dernier échelon. Comme vous avez un juge qui décidait la paye payer en coup de main. C'est solidarité pour juge à la rien, bah ouais. C'est tout pays qui a dû camper derrière le juge là pour juge à sortir. Et bien ça qui passe. La presse, société civile, et organisation soi-disant, les CEDO droits humains, ils ont produit un rapport, ils ont dit juge la fou. Ils ont juge qui a combien de temps dans nos systèmes. Alors, tel juge valable pour tout le monde, mais quand le juge a décidé pour le mettre mandat d'air matériel, le mettre mandat d'air privé, privé le mettre mandat d'elle. Privé fait 2 ans premier ministre, monsieur. 2 ans président. Privé by God Clinton, la équipe Clinton, nan, qui gagne Kony, qui gagne Kony, qui gagne Belrive, qui gagne. Yon contrat 5 milliards 800 millions de dollars. Jocelyn Privé, sous toi tu fais papier. Pour un juge, mettre un mandat d'air un homme comme ça, ou dit juge la fou. Juge la pas compétent. Juge la fait ceci. Jusqu'à ce que CSPJ, qui vient faire promotion, corruption système judiciaire, eh bien, il va retirer le juge là. Et puis le dossier va le casser. Avec il y a l'autre juge qui prend le temps de débat là. Pour ne pas perdre de place. Ça, qu'on va faire. Il va le faire petit bagage salon, il va le mettre le premier ministre, le président. Nous pensons, je dis. Son combat. Là, par exemple, pour Moïse Jean-Charles. Tout le monde connaît. Fortune Moïse. Mais qui ça, Moïse fait l'argent? Mais qui ça, fait l'argent? Là, dans Belleville, nous sommes près de 5, près de 3 à 5. Belkaï, parlez dans la presse, pas d'accord. Mandat au Sénat n'est pas permettre de faire comme là. Ok? Côté où fait l'argent? Côté leader politique, faire comme yo, parce que parler pas d'argent. L'argent. Regardez pour jouer sous doué tout combien de leaders politiques qui m'ont mis mon bâton prêt. Côté où fait comme? C'est dans l'État, oui. Quand on propose, on dit bah au poste qui gagne l'argent. Bonne direction générale. Ou pas goumé qui est là, c'est goumé qui prend la direction générale, côté qui est comme vous. Et pas plus à faire l'autre bagage, non? C'est pour et pas plus à faire projet, non? Puis à le détourner, puis à le voler l'argent. Et puis c'est moun sa ou qui est aura, c'est qui a accès, c'est qui réunit dans tout hôtel. C'est pour ça matin, nous faisons conférence, moi dénoncer, et je continue à dénoncer. Parce que je dénoncé comment résident CSPJ mourut. Monsieur, al mené une enquête sur un rapport de Mali, il n'est pas satisfait rapport. Président Sylvestre, prend le tribunal de Pédelma, là, il cherche côté M. Damio, il a acheté pour le pousser SPJA, et si je vais ici. Alors, ce que vous avez un bill, c'est 7 combien millions de gouttes. Président dit, il ne va pas faire ça, non. Là, il mène enquête. Et côté du magasin, il y a. Les Sylvestre, tu viens de constater. Avant Sylvestre, il y a ça, il est en fait corona. Il est à l'hôpital, il va sortir. Mais pays, et c'est pour ça que nous-mêmes, je dis, je regarde dans la télévision, je regarde sur les réseaux sociaux, je regarde moi l'argent qui a débloqué pour faire conférence, pour le président Kray. Je dis, si le président BNCA, pas premier, c'est lui qui est victime dans le dossier. Parce que c'est l'État, c'est le système, c'est lui qui choisit. Moïse, je chante, depuis le temps de Moïse pour la radio, pour venir, ça veut dire, il me dit, bon, le président va le foutre contre lui, parce que le monde qui voit un négo dans le conseil créé là, ce sont les partis politiques. Qui est-ce qui a pénalisé, qui a baillé contre son tête dans le pays? Ce sont les dirigeants des partis politiques. Quand les dirigeants sont dans le parti politique, qui est-ce? Qui est-ce un dirigeant politique? Qui est-ce un président parti politique qui a fait? Il a acheté des machines dernier modèle, il a habité la boule, il a habité dans Belkaï. C'est la corruption. Avec quelqu'un soit bataille ou enclenché contre la corruption, et bien le monde qui a bataille contre la corruption va finir pour contre. Et bien c'est pour ça matin, nous te voulons attirer attention au pays. Hein? Malgré nous avons dénoncé, Fritz Jean. Et Gérald Gilles, Leslie Voltaire, Jean-Bertrand Aristide, ça n'a pas empêché de mettre l'État, essayer de contrôler, ça a été la légitime violence, c'est de mettre les armes, de la police, ça veut dire de mettre droit de vie et de mort sur tout le monde qui a bataillé contre la corruption, puisque c'est corrompu qui a le pouvoir ça, il n'y a pas aucune bataille contre la corruption qui a fait en Haïti, seule la presse, seul le pays, si nous-mêmes, comme force qui sont le quatrième pouvoir, qui a payé ça, il coup de main pour nous capables de soulager la situation de corruption dans le pays. Pas résoudre, non, mais soulager parce que c'est l'élite pays qui fait partie
qui mettait le système corruption qui a mangé le pays. Et de ce fait, nous n'avons pas besoin de solution dans la bataille contre la corruption en Haïti. Merci. Si M. Nomil Rameau, en tant que directeur général de la police nationale, est capable de prendre responsabilité aujourd'hui, ce n'est pas de bandit, ce n'est pas de bandit dans le problème. Ça veut dire qu'il y a un gros problème au niveau de la police. Il doit traiter. Et parce que moi, ni la police n'a pas ni l'armée n'a pas ni PM n'a pas tout le monde n'a pas pour la police. Alors que côté la police, c'est confiance qui doit gagner. Si vous PM arrive où la police est tombée pour les gens la police, ça veut dire qu'on fait un véritable problème dans le pays. Si la police n'a pas garanti la sécurité de PM, et PM n'a même ni arrivé où la police est courir, ça veut dire que je dis à vous paquet. Question que vous poser. Parce que pour le grand public, c'est le bandit qui tire, qui fait la police repousser. C'est normal, la police n'est pas là pour le bandit qui a tiré. Et puis pour... Mais si la police aujourd'hui a dit, ce n'est pas le bandit qui a tiré, c'est eux-mêmes encore qui a tiré, ça veut dire un problème grave. Un problème qui doit poser. Et nous avons une explication, chef CSPN, pour venir une explication. Sous des autres ça, sous scandale ça, parce que c'est, si c'est bandit qui a tiré le bon scandale, la police a réagi face à bandit qui n'a pas attaqué pas. Mais si c'est la police encore qui a tiré pendant le premier ministre, pendant le soi-disant premier ministre là, et puis pour le premier ministre a couru jusqu'à ce que sous lieu tombe, le paquet de descendre à le prendre. Parce que tant dépend de la couru, bon qui dit qu'on bagaille qui tombe, a gagné pas sous lieu, et pas sous lieu, pas casse premier ministre qui tombe. Avait dit, si je dis à PM, pas de confiance. Pas de confiance dans la police. Je regarde comment Kenyan dans l'hôpital général entre en bas de malade. Pendant que vous mettez des têtes, des têtes, des qui courent, des gens qui quittent, qui quittent les amateurs, qui prennent. Et puis c'est la police qui fait travail ça. Moi, je pense aux questions, aux explications que le Premier ministre, soi-disant Premier ministre, a gagné pour le bail pays. Parce que ça, il est plus que grave. Mais le CPN a dit que toujours des contrôles dans l'hôpital général. Comme si. Vous avez besoin de mal de dans des GA par des contrôles locales. 104 bandits tués, plusieurs âmes saisies. Qui sont gardés dans ça? 104 bandits. 104 bandits, plusieurs âmes saisies. Et il fait qu'on est tout. Taux de kidnapping baissé. Ok, grâce à mariage, population, police, population. Qui sont gardés comme citoyen? Bon, ça me dit comme citoyen. Non, mais nous avons son aigle respectant. Ils ont aigle même. De tempérament, de côté, de sortir à côté. Vous comme ça qui a fait mal? Pour nous, il y a un fin sorti dans la police vivant pour la jeune tuer encore dans la police. Ça veut dire qui ça? Mon politique m'a assassiné. Les gens qui dit des bagages, ils ont des rapports pour ou même pour obliger. Les gens qui ont dicté, ou qui ont dicté, ou qui ont fait peur, professeur qui ont dicté, dit ou fait faute. Parce que les gens qui ont dit, bon phrase, vous mettez pas dicté. Mais vous laissez lecture, vous avez fait. Même ces condamnations, vous avez donné dans l'être la folie. Dans sa nuit. En termes de bilan, la police pas de bilan, pas de bilan. En termes d'opération, pas d'opération. Ça, quand on dit me tuer. Côté cadavre, vous voyez. Vous êtes là, vous avez preuve.
ouais, Zamio, je montre Zamio, très bien. Je vais à l'ombob, mandez à l'ombob l'hôpital, parce que depuis la police, tu as un cadavre, je dis à l'ombob. Fais la police pour 19 cadavres. Parce que vos stratégies n'ont pas employé, moi je ne pas le directeur, non, mille prennent la donne. Stratégie, ils ont demandé, ils ont fait pression sur les réseaux sociaux, sur les journalistes qui ont risqué pour la population information dans le temps réel. Parce que les journalistes, les médias en ligne, ils ont pris risque pour informer la population dans le temps réel. Pas qu'à des mentir, pas qu'à des trucages là-dedans, pas qu'à des fake news là-dedans. Ils ne veulent pas les journalistes le filmer dans le moment de l'opération. C'est une façon pour venir voir le bilan, le rapport par eux. C'est juste pour les mentir. Parce que automatiquement, il y a une opération contre les bandits qui ont mené. Mais ce n'est pas même le directeur de la police qui a gagné, ni le CSPN qui a dit. Mais c'est la presse même, dans le souci pour informer la population des travail positif qui a fait, qui a informé, qui a dit que les bandits sont tombés, mais ça me saisit, c'est là. Il n'y a pas besoin de faire conférence pour ça. Alors que je dis jusqu'à présent, bilan gagné pendant le gouvernement monté là. Pendant le gouvernement annoncé, état de siège couvre-feu. Commissariat qui est bandit, pas de cobriller, il y a le brûler. Directeur, inspecteur police qui pas de mourir pendant état de siège couvre-feu, il y a mouru. Machine bien d'état qui pas de attaquer pendant état d'urgence, il y a attaqué. La preuve, la police pas de contrôle Gantier après les morts sans jour qui était Gantier. Et puis, il y a venu faire opération. Il fait opération. Vous faites opération pendant la mort sans joie, craser le commissariat, la police vient, et échange de tout le monde voit que la police. Ce n'est pas les bandits qui quittent l'espace là où tout prend contrôle. Non, l'autre contrôle l'espace. C'est les bandits là, et bien le coup, il y a même l'armée, la police prend place bandits. Je dis à bandits, pas sorti de tout, c'est pas la police au père. C'est parce que eux-mêmes, ils ont un plan pas à préparer. Mise en place qui pour faire pour rétablir la sécurité en d'un pays. Pour monsieur Ramil Rameau efficace, il besoin d'un bon ministre de défense, il besoin d'un bon ministre intérieur. Un, pas de ministre de défense. De ministre intérieur. Deux, pas de ministre intérieur. Koni. Koni pas même contre sa communauté. Oh. Premier ministre, oui. Ben dis, premier ministre Gary Koni, il n'a pas aucune compétence, aucune expertise en matière de sécurité. Et la sécurité, l'on parle d'intérieur, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour mon pays, c'est notre pays. Ça, c'est eux. Deuxièmement, le premier ministre Gary Koni, ça fait 12 ans d'ailleurs. Même les gars qui ont 4 ans, ils ont détaché complètement avec ça, la réalité haïtienne. Les Koni sont partis. Vous êtes comme si vous êtes descendu dans toute activité. Koni vient là. Koni va descendre par le national. Conseil. Si conseil présidentiel là, est-ce que nous connaissons jusqu'à présent le Mahon la caille, il n'y a pas qu'à descendre la caille? De l'hôpital général avant, oui. Qui bon? Gary Koni. Gary Koni. Il y a un bagaille, il y a un de temps, combien de chats, il y a un courrier à regarder un bagaille. Mais Chita installé. Si on prend contrôle l'hôpital général, ça veut dire l'hôpital général a fonctionné, oui. Ou qu'a passé cet honoré, rue Joseph Janvier, ou qu'a descendre, ou qu'a mené l'activité, ou pas quoi. Deuxièmement, ou prenez un qui dit que c'est ministre de défense. Qui était agenté dans la police nationale, département là, qui n'a aucune expérience dans sa défense. Donc, comme ça veut dire, monsieur, défense au pays. On a regardé pour comprendre ça qu'on défense. Grand pays, bon, on peut être là en République Dominicaine. Son général, ou qui ministre de défense. Gary Koni tellement pas présent, il a retiré le colonel, il a mis le civil dans le ministère de défense. Ou le directeur Daniel Massin, le colonel. Qui n'a pas porté résultat, ils ont mis comme ministre, il était directeur de défense. Beaucoup ont retiré, ils ont mis un avocat. Ils ont retiré Renald Joseph, malgré tout ministre colonel, compétence qui a gaspillé là, ils ont mis un agent D, un ancien agent D dans le ministère de défense. Je ne parle pas de faire quoi pour que la sécurité dans le pays. Parce qu'ils n'ont pas pris route pour ça. Parce que la sécurité, ce bagage ou des experts, Chita, qui planifient, travaillent sous plan, plan d'opération. Dernier bagage pour finir. Ou pas, ouais, monsieur, il y aurait les. Monsieur, les forces multinationales, il y aurait les policiers, pas vrai? Si c'est l'armée, il y a fait base
Si c'est l'armée, il a fait base pour l'armée. Parce que mode opératoire l'armée, en mode opératoire la police, ça pas même. La police pas pour le base. Si les gens sont venus pour mettre sécurité, pour travailler sur le plan sécurité, ou être tout monsieur Kenyon, ils ont dispatché dans tout commissariat. Et puis, tu as monté plan, ils ont pris le travail sur cartographie, zone, une série de zones qui sont bandits. La police, c'est police à police. Comme ça, il y a occasion. Ils ont mis des tentes, ils ont mis des blindés, ils ont barré, ils ont pris le contrôle. La police n'a pas pris le commissariat, ils ont mis du matériel pour ça. Même si ils ont fait base des potes là, ils ont pas des potes qui ont fait base. En 80, les nègres étaient venus là avec le ministre. Tout policier, ils ont dispatché, ils ont un commissariat, police internationale, pour travailler avec la mer, avec la police. Or, depuis où ils n'ont pas mis les policiers, et d'après 50-100 police, vous voyez pas les bouquets, la commissaire voit les bouquets, police, l'armée, ils mettent ensemble pour planifier le mode opératoire. Tout ce que vous avez là, son côté a mené nous. Mais il a toujours fait des petits mouvements pour montrer nous que les bagailles qu'il a fait pour l'international jouer nous. Fait lobby, mais en réalité, un projet, un plan pour nous, et plan, c'est seul peuple haïtien, un soulèvement général qui est capable d'empêcher de aller plus loin. Heureusement, nous, les soldats qui nous commencent à plaindre à cause de matériel américain, bayou, ou pas capable. Il fait que le chariot n'est pas bon, le chariot n'est pas prêt à dire à l'aise pour être capable de contrôler les gens. Hier, il y a un soldat qui nous touche un peu. Il y a un soldat qui nous touche pas mal. Ah bon? Je tout te connais, ça, on vient de faire là. Américain, Kenyan, c'est poisson, casé dans le bouillon. C'est eux qui valider le complot américain. Seul ça me connaît. Seul ça me connaît. Sans que Kenyan vienne faire là, la paix pour payer les conséquences là-dedans. Parce que Haïti, m'a prédit, l'armée, la police, le SAP, à travers une tax force, l'argent y a bail de ces Kenyans. Imaginez. Il y a des policiers qui ont $300 et puis vous-même qui avez prêté à distance pour dire ou avez supporté ou avez touché $1,500. Moi, dans le jour où vous avez pris toute la police, vous avez la caillou qui était Kenyan, mais nous avons fait ça. Créole pour moi, chapeau, parce que nous sommes dans tout corridor, on a tout coin, quel que soit côté événement, créole pour moi là. Créole pour moi, chapeau, félicitations, nous ne pouvons pas bouquer. Félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Bon, créole pour moi, SPS, son choix lui. Et moi, c'est créole pour moi, SPS, fait choix par lui. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec créole pour moi, sans grand souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus gros plateforme, plus mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bon bagaille, Jean Yoyia. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont à remettre et qui sont plus tôt. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.